Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du Bar de l'Ours. L'Ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à une vidéo qui a déjà été tournée il y a un petit bout de temps. Ça doit déjà faire quasiment 2 ou 3 ans qu'elle est sortie sur la chaîne, 3 ans peut-être même déjà. C'était sur le lexique qu'on retrouve dans le monde du Rhum, certains termes, certaines choses, certains mots de vocabulaire qu'on comprend pas forcément. Et donc aujourd'hui, en fait, on avait toujours demandé un petit peu une suite. Aujourd'hui, on va faire une suite. On va expliquer de nouveaux termes par rapport à ce qu'on avait dit dans la première vidéo. On va réexpliquer peut-être aussi certaines choses. Et puis, ça donnera peut-être aussi l'occasion d'avoir une troisième vidéo si vous aviez des questions, justement, et des termes qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Donc voici la suite de la première vidéo. C'est parti. Donc là, on va parler de termes techniques. Comme d'habitude, je vais essayer de faire le plus compréhensible possible. Donc je ne vais pas aller forcément dans le terme le plus pointu et dans l'absolu vraiment de certaines choses. Je vais pas aller jusqu'au bout dans la technicité vraiment de certains termes. On va vraiment faire global pour que tout le monde puisse comprendre. S'il y a des choses que j'évince, c'est par choix, hein, pour que justement, je le redis, que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire des choses trop technique et pour seulement certaines personnes, mais pour que vous puissiez tous avoir votre avis là-dessus. Alors, premier terme dont on parle souvent de l'AOC Martinique. Alors l'AOC Martinique, qu'est-ce que c'est exactement? On a des bouteilles autour de nous, hein, et derrière nous bien évidemment. Là ici j'ai une bouteille de Martinique, donc de chez JM, et on peut voir qu'on a très vieux rhum agricole, appellation Martinique contrôlée. Donc on est sur un AOC. Il faut savoir que la Martinique est la seule à avoir cet AOC. C'est un label qui certifie que le rhum il a été produit donc, dans une certaine région avec un cahier des charges spécifique. Donc la Martinique est la seule à avoir cette appellation AOC, et ce depuis 1996. En termes de réglementation, je ne vais pas faire trop compliqué, comme je disais en vidéo. Je vais vous donner le lien si vous souhaitez aller un petit peu plus dans les détails. Le cahier des charges de l'AOC est public, hein, l'IGP aussi, Guadeloupe. Ce sont des données que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous donnerai, si vous voulez, le lien dans la description de la vidéo, si vous voulez aller faire un petit tour et aller un peu plus dans les détails. Alors en termes de réglementation, déjà on doit avoir un rhum qui doit appartenir à 3 catégories si on veut être dans l'AOC. On a le rhum blanc, l'élevé sous bois et le rhum vieux ou très vieux avec d'autres catégories spécifiques dans le rhum vieux. On doit titrer à minimum 40 degrés d'alcool. On a une période de récolte, on a une irrigation spécifique et on a aussi une délimitation des parcelles. Variété de la canne, aussi rendement aussi de la parcelle ou encore le pressage de la canne. Tout ça, ce sont des choses qui sont réglementées. En termes de spécificité de canne, je peux vous en donner 2-3 si vous voulez. On a la B820333 qui est appelée aussi la canne cannelle. On a la 80068-9 qui est la caïmite. On a la canne verte qui est la B7656. On a la canne roseau qui est la B5992. On en a un certain nombre, je vais pas toutes vous les citer. On a la Mabouya, la R583 qui est notamment utilisée chez Naisson pour les parcelles bio, si je dis pas de bêtises. Et on en a comme ça, en tout cas moi j'en ai a priori noté de ce que j'ai comme écrit et de ce que j'ai comme information. On en a une bonne vingtaine qui sont notées au cahier des charges et qui sont absolument à respecter, bien évidemment, pour avoir cette appellation. L'aire géographique donc est importante. Je vous montre, si vous voulez, un petit peu la carte. Je vais essayer de vous la montrer sur l'écran. On a une aire géographique, bien évidemment, puisque c'est de là que vient l'AOC. Hein. C'est le terme propre, puisque l'AOC, c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc, on parle bien d'aire, là, pour le coup, géographique. Aussi des termes qui sont réglementés comme les mentions, vieux, très vieux, ce genre de choses. Notamment pour un rhum vieux, par exemple, c'est minimum 3 ans de vieillissement. Donc c'est l'appellation VO. On a ensuite l'appellation VSOP, c'est un vieillissement de minimum 4 ans. VSOP, ça peut être aussi réserve spéciale. Et ensuite, on a l'appellation pour les rhums de 6 ans et plus, où là, on a l'appellation vieux, extra vieux, notamment XO, qui est là, on a un JMXO. Là, on est sur un rhum de vieillissement de plus
de 6 ans. Ça peut être de l'extravieux, du hors d'âge, de la grande réserve. Voilà les termes un petit peu qu'on peut utiliser pour cette catégorie-là. On peut avoir aussi un jeu avec du caramel, notamment pour lisser un petit peu certaines gammes, certains produits, essayer d'avoir une continuité dans les ans, dans les années, pardon, et aussi pour pouvoir donner une petite coloration. Mais alors là, on est vraiment limité sur 2% maximum. C'est 2% exprimé, 2% par rapport au degré d'alcool. Ça veut dire qu'en gros, quand on mesure le taux d'alcool dans un AOC Martinique, appellation donc agricole, rhum agricole, on peut avoir jusqu'à 2% qui sont faussés en termes de quand on va mesurer en fait le degré d'alcool de notre rhum. Voilà, on a vu rapidement cet AOC, on va pas s'attarder à plus. Si vous voulez plus de détails, je vous l'ai dit, allez lire le document, il y a 16 pages, faites-vous plaisir. C'est super intéressant de pouvoir découvrir ce genre de choses. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo vraiment très spécifique dessus avec chaque détail, il n'y a pas de souci, mais ça sera une vidéo dédiée parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ensuite, on connaît aussi l'IGP Guadeloupe. L'IGP Guadeloupe, c'est quoi? Bah, j'en ai une bouteille ici, j'ai une petite bouteille de Biel. C'est rhum agricole de la Guadeloupe. Donc on est un petit peu, comme sur l'AOC, on est sur un cahier des charges à respecter qui est un petit peu plus flexible, qui est un petit peu moins strict au sens technicité du terme. L'objectif ici, c'est pareil, hein, c'est comme l'AOC Martinique, c'est de pouvoir protéger les rhums de la Guadeloupe et l'appellation rhum agricole Guadeloupe. Donc on a un cadre technique autour de la production du rhum, il est un petit peu plus fluide, un petit peu moins strict que l'AOC, qui permet un petit peu, donne un petit peu plus de latence aux distilleries. Donc il y a un petit peu moins de contraintes. On a notamment aussi du fait que en Guadeloupe, on avait des usines, donc on a l'industrie sucrière qui est tout aussi importante qu'en Martinique, mais on a gardé vraiment cette notion-là. Et du coup, il y a encore des rhums de mélasse, hein, qui sont faits donc en Guadeloupe, qui peuvent être très bons. D'ailleurs, hein, on n'est pas ici pour dire que le rhum agricole, c'est forcément le meilleur. Et en partant de ce constat-là, bah, on a évidemment dans cet IGP, ils ont la possibilité du coup d'avoir l'IGP sur des rhums, que ce soit des rhums agricoles ou que ce soit des rhums donc dits industriels, des rhums de mélasse. On a par exemple une différence notoire avec l'AOC, c'est que l'embouteillage, il peut se faire en France métropolitaine, par exemple, pour l'IGP Guadeloupe, alors que pour l'AOC Martinique, c'est obligatoirement fait sur place en Martinique. En termes de vieillissement, on est effectivement, pour les rhums ambrés et vieux, obligatoirement vieilli sur place en Guadeloupe. Et donc on est là aussi sur une notion IGP Guada, Guadeloupe, qui est unique au monde. L'AOC Martinique, c'est la même chose, ce sont des notions exclusivement dédiées à ces territoires-là. Donc vous pouvez pas les retrouver sur d'autres rhums. On a notamment à Tahiti des demandes qui sont faites, je crois c'est en cours, pour pouvoir avoir l'appellation rhum agricole. Il y a plein de choses qui sont en cours, voilà, il y a des choses qui vont évoluer, puisqu'il y a une logique, est-ce que ça évolue. Mais là aujourd'hui, en tout cas, si vous avez un XO rhum agricole Martinique, vous savez forcément que vous avez un rhum qui a plus de 6 ans. Si vous avez un XO, qui, par exemple, qui vient du Venezuela, qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Australie, vous pourrez pas avoir vraiment la certitude que ce soit un plus de 6 ans. Après, on peut avoir une transparence sur l'étiquette de la distillerie, etc. Mais le cahier des charges ne sera absolument pas le même, ça c'est sûr. L'IGP Guadeloupe, par contre, est un petit peu plus récent que l'AOC, par exemple, parce qu'il existe depuis janvier 2015. Donc c'est vraiment beaucoup plus récent en termes de produits. Et c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, quelque chose qui permet de garantir un cahier des charges pour avoir une qualité, notamment dans les rhums que vous pourrez trouver avec cette appellation. Pareil, on va pas s'attarder plus là-dessus. Si vous voulez une vidéo très spécifique dessus, on pourra le faire. On rentrera dans la technique pure et dure, pas de problème. Mais ce sera une vidéo dédiée, parce que sinon on va y passer 20 minutes. Alors, dans le lexique, on a d'autres termes. On retrouve par exemple le mot foudre. Le mot foudre qui va avec le mot tonneau, au fût, eh bien, c'est en fait tout simplement des gabarits qui sont différents par rapport au fût ou par rapport au tonneau, au barrique. Un foudre, c'est une très 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 grande cuve, pour faire simple. Normalement, c'est en bois. Je crois qu'on peut aussi utiliser le terme quand c'est de l'acier, de l'inox ou quand c'est du métal. Moi, a priori, de ce que je sais, c'est
quasiment exclusivement en bois, et ce sont des grosses quantités. Donc normalement on est sur plus de 650 ou 750 litres, et on arrive au-dessus de 1000 litres souvent. On peut arriver sur des cuvres, sur des foudres qui sont gigantesques. On peut avoir des 10 000, des 20 000, des 30 000, des 50 000 litres, ça existe, et on appelle ça effectivement des foudres. Pourquoi est-ce qu'on utilise les foudres? Eh bien, c'est souvent pour les élever sous bois. On est souvent sur pour les rhums jeunes. En fait, un foudre, il va y avoir beaucoup moins de contact avec le rhum, forcément, puisque la surface est beaucoup plus importante. Vous avez une beaucoup plus grosse quantité. Sur un tonneau de 200 litres ou sur un tonneau de 650 litres, la surface en contact entre l'alcool et le bois est beaucoup moins importante. Donc du coup, moins vous avez de surface d'échange, bah moins il y a d'échange, et moins votre rhum va évoluer avec le fût. Bien évidemment qu'il va évoluer avec le fût, mais ça sera moins prononcé. C'est pour ça que c'est beaucoup plus prononcé sur nos petits fûts qu'on a là de 5 litres ou 3 litres, et que le boisé, ou en tout cas les échanges avec le bois et avec l'extérieur du fût, vont se faire très très rapidement. Et là, c'est pour ça qu'on utilise notamment des foudres. Souvent, les foudres, c'est utilisé par exemple dans le cognac, c'est utilisé dans le monde du raisin, donc dans le monde du vin, bien évidemment, parce que ça permet de pouvoir justement faire vieillir des choses, mais sans déstructurer trop l'ADN qu'on peut avoir sur un produit. Donc après ces foudres, je vous ai dit, on arrive sur le mot fût. Le mot fût, on a des micro-fûts derrière moi. C'est un tonneau ou une barrique qui sert au vieillissement du rhum ou d'autres alcools, bien évidemment. Mais là, on est ici pour parler de canne à sucre. On a différentes contenances et on a des essences de bois qui sont utilisées aussi de manière différente, qui ne donnent pas la même chose. On a aussi le grain du bois, du fût, de la douelle qui permet de créer le fût, qui peuvent être différents. Un grain fin ou un grain chaud, un grain épais, qui peut permettre des échanges plus ou moins importants. Et après, on a bien évidemment la chauffe. Dans le monde du rhum, on connaît plutôt bien ça. La chauffe de l'intérieur de notre fût qui peut être utilisé pour donner un certain profil à notre breuvage qu'on va mettre à l'intérieur. C'est souvent, en tout cas dans le monde du rhum, très souvent sur la matière chêne, que ce soit chêne américain ou chêne français, bien évidemment, parce que c'est utilisé notamment dans le monde du cognac, c'est utilisé dans le monde du whisky, du bourbon, ce genre de choses, donc on a forcément une arrivée qui est plus importante. Mais il y a plein d'autres bois qui sont utilisés, hein. On peut avoir de l'acacia, du merisier, on peut avoir plein de choses. Notamment, par exemple, on a les Brésiliens qui, eux, utilisent des bois de leur forêt tropicale, et qui donne des choses très spécifiques. On peut voir ça avec, par exemple, l'alcool qu'ils font, la cachaça, qui est très très proche du rhum agricole souvent. Louillage, qu'est-ce que c'est? Alors, louillage, c'est la technique qu'on va utiliser pour pouvoir remplir notre fût à partir du moment où il est rentré en vieillissement. C'est-à-dire que là, j'ai mon fût de 5 litres, il est en vieillissement, il y a une part des anges, donc une évaporation qui va s'effectuer, peu importe que vous soyez dans n'importe quel climat, il y a toujours un petit peu d'évaporation, et on peut choisir de remplir cet espace qui se crée, qui se vide, cette évaporation d'alcool et ou d'eau. On va la remplir, on appelle ça louillage. Et la technique de louillage, c'est de remplir avec exactement le même alcool que vous avez à la base dedans. C'est-à-dire que si je mets normalement un 5 ans dans un fût, théoriquement, je vais mettre mon même rhum de 5 ans dans le fût pour pouvoir pallier un petit peu cette concentration et cette évaporation. Ça permet d'éviter l'oxydation, par exemple, et ça permet d'éviter aussi la perte très très rapide, l'évaporation très importante, parce qu'en fait, plus vous avez laissé longtemps votre rhum, votre alcool dans votre fût, plus il va s'évaporer, et moins vous allez en avoir dedans, plus l'évaporation normalement va être importante. Après, un ouillage, ça peut aussi redonner un petit coup de jeune, un petit coup de peps, de vif à votre alcool, puisque en fait, si vous avez commencé le vieillissement et qu'au bout d'un an vous venez remettre le rhum de base, le rhum qui était à l'intérieur a commencé à vieillir, à se donner une certaine patte, un certain caractère. Là, vous allez remettre un petit peu le caractère initial de votre rhum. Ça permet aussi, sur certaines distilleries, de pouvoir faire des rhums très 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 vieux. C'est-à-dire que si on a un rhum qui a 30, 35, 40 ans, par exemple, des choses qui sont très très rares,
Si on a plusieurs fûts, bah, en fait, ils vont tous diminuer au fur et à mesure et on va tout remettre dans un seul fût pour avoir justement un contenu qui soit homogène et où l'oxydation soit moins importante quand même. Par exemple, ça peut servir à ça. Après, des fois, on a des rhums de 30 ans où on n'a qu'un seul fût. Bah, là, pour le coup, tu peux pas faire d'ouillage. C'est comme ça et c'est ça aussi qui fait la beauté de la chose, hein, bien évidemment. Parcellaire, ça c'est un terme qu'on retrouve souvent, pas forcément que sur les rhums blancs, on l'a aussi sur certains rhums vieux ou certains rhums élevés sous bois ou ambrés, ce genre de choses, ça peut aussi se trouver. C'est relativement simple puisqu'en fait c'est un rhum qui a été élaboré à partir d'une seule parcelle, c'est-à-dire que là on a une parcelle délimitée de canne et que ce rhum vient uniquement de cette parcelle, c'est un rhum parcellaire. Un rhum parcellaire, il est théoriquement moins sujet à des gros changements de goût ou d'ADN, puisque c'est la même parcelle, normalement le même sol, et théoriquement les mêmes cannes qui sont récoltées tous les ans. Mais c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire des expériences. Certains font des rhums parcellaires, et par contre, ils vont pouvoir changer la distillation, ils vont changer le fût, changer certains paramètres qui vous permettent de montrer aussi comment réagissent certains rhums d'année en année en appliquant une technique spécifique dessus. On va revenir sur un terme qu'on avait parlé dans la première vidéo, c'est le single cask ou le single barrel. Le single cask, c'est quoi? C'est un fût unique. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on a un fût unique, simple, qui est pas, on n'a pas 30 fûts du même rhum, on a un fût et on va embouteiller ce rhum-là. Ça peut être un fût neuf, ça peut être un fût ex-bourbon, ça peut être n'importe quoi, mais on n'a eu qu'une quantité réduite, par exemple, de cette distillation-là ou de ce vieillissement en question. Souvent, c'est des rhums où vous allez retrouver toutes les informations sur l'étiquette, vous allez avoir une grosse transparence parce qu'on aime bien, justement, sur les single casks, montrer que c'est un fût unique que vous ne pourrez plus jamais retrouver. C'est un 2005 de telle année, avec tel fût, avec telle cuvée, de tel âge, etc. C'est aussi ce qui fait la rareté de certains rhums, c'est que un fût unique, le mot est là, c'est qu'il est unique. Donc s'il est super bon, vous en aurez plus jamais exactement le même. La filtration. La filtration du rhum, la filtration à froid. Alors, on parle de quoi exactement quand on filtre un rhum? Si vous voulez, un rhum, quand il sort d'un fût, il y a toujours des petites particules dedans. Ça, c'est normal. Quand il sort de la distillation aussi, on peut retrouver certains gras, certaines choses, certains corps gras à l'intérieur de notre rhum, selon ce qu'on a utilisé, si c'est une colonne pour la distillation, si c'est un alambic, si on a fait plusieurs passes, ce genre de choses. Normalement, la filtration à froid, c'est un procédé, justement, on va faire passer le rhum entre 0 et moins 10, généralement. Pour faire simple, on fait passer notre rhum dans certains engins, certaines passoires, qui vont vous permettre de pouvoir enlever justement ces corps gras, par exemple, ou certaines imperfections, certaines impuretés. On peut un peu aussi penser, par exemple, ce qui est lit de vin dans un vin, ce dépôt que vous avez. On peut aussi avoir, par exemple, dans un rhum, des copeaux de bois. Je vous le dis, le bois, c'est une matière vivante, hein, donc ça bouge tout le temps. On peut avoir ces particules aussi. Et il y a des gens, quand vous allez leur montrer une bouteille où il y a un petit dépôt au fond, là, j'ai un tout petit dépôt, vous le verrez pas parce qu'il est vraiment infime. Mais sur le biais, j'ai un tout petit dépôt. Il y a des gens qui vont voir ça et qui vont vous dire, le rhum est pas bon, il y a un dépôt, c'est pas beau, c'est pas clair à l'intérieur, le jus n'a pas l'air d'être lisse. Ça peut jouer sur la consommation. Bien évidemment, ça peut avoir ce côté de ramener un petit peu, on va dire, le côté brut d'un rhum qui peut chagriner certaines personnes avant même de pouvoir consommer, puisqu'on consomme, on le sait bien, nous aussi, avec les yeux. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais quand on le fait pas, souvent, en règle générale, on retrouve des rhums un peu plus gras, qui peuvent des fois avoir des profils bien différents. Il y en a qui disent que ça peut lisser un rhum. Effectivement, on a deux points de vue sur la chose. Ça dépend, à vous de vous faire votre propre avis en trouvant différents rhums filtrés à froid ou non, et de voir si vous voyez justement une différence entre les deux. Brut de colonne. Alors ça, c'est un
c'est quelque chose qu'on entend depuis plusieurs années, qui est dédié normalement au rhum blanc. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si on parlait de brut de fût sur un rhum vieux. C'est-à-dire qu'on va sortir directement de notre alambic, de notre colonne, pour le coup, brut de colonne, ou sinon on dirait brut d'alambic, et on va directement, en fait, embouteiller notre rhum. On va pas lui faire de réduction. Parce que quand on sort d'une colonne, on est entre 70 et 80 degrés généralement, et normalement vous réduisez votre rhum pour qu'il soit déjà pour qu'il soit buvable, hein, parce que des fois il y en a, c'est pas buvable, et puis pour pouvoir avoir aussi certains degrés qui nous intéressent en termes de dégustation. Souvent quand même, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de réduction, mais par contre ils vont ce rhum blanc, on va pas tout de suite l'embouteiller, on va pas tout de suite le mettre en bouteille directement à la sortie, parce que en fait on va vouloir le laisser s'aérer un petit peu, s'oxygéner, et des fois perdre un petit peu ce côté trop alcoolu qu'on peut avoir sur ce, notamment quand on est sur des très gros tritérages d'alcool. On va laisser par exemple en cuve en inox. Là pour le coup, c'est ce qui se fait souvent, c'est que les brutes de colonne, souvent on va les laisser respirer un peu avant de les mettre en bouteille. Ça peut aller 3 mois, 6 mois, ça existe, hein. Des fois c'est même plus que ça encore, pour justement essayer d'éliminer le plus possible ce côté alcooleux qu'on peut avoir. Donc on laisse s'évaporer ces vapeurs d'alcool, mais aussi certains éléments qui peuvent être un petit peu nocifs ou toxiques, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est normalement quasiment impossible ou très 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 rare qu'on embouteille directement en brut de colonne. Ensuite, on peut parler du chai. On entend souvent ce terme aussi. Il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que c'est qu'un chai? En fait, vous pouvez avoir un chai à la maison. Parce qu'un chai, c'est quoi? C'est l'endroit où vous allez entreposer votre rhum. Par exemple, laisser vieillir. Mais ça s'applique à d'autres alcools, d'autres spiritueux, bien évidemment. C'est un endroit où, pour le rhum, vous allez stocker vos fûts, vos barriques de rhum. Les chais, chaque distillerie a des chais un petit peu spécifiques. Il y en a qui aiment bien avoir une grosse chaleur dessus, il y en a qui aiment bien avoir des chais frais. Il y a énormément d'expériences qui se font depuis plusieurs années. On connaît deux grands types de chais souvent. On a les chais humides et les chais secs. Un chai humide, en fait, c'est plus l'alcool qui va s'évaporer que l'eau à l'intérieur de votre breuvage, de votre spiritueux. Donc on est souvent sur des choses un petit peu plus sages, entre guillemets, bien évidemment, sur des choses peut-être un peu plus rondes, peut-être un petit peu plus faciles à boire, puisqu'on va enlever cette concentration alcoolique qu'on va avoir dans certains rhums. Un chai sec, au contraire, on va porter plus l'évaporation sur l'eau. Donc on va concentrer l'alcool et on va souvent avoir des produits beaucoup plus concentrés avec une aromatique ou en tout cas une définition en bouche quand on va le ressentir qui va être beaucoup plus forte. On dit souvent que les eaux de vie dans les chais secs ont un peu plus de puissance et un peu plus de caractère. Encore une fois, à vous de tester entre les deux. Dernier terme aujourd'hui, on va parler de grand arôme ou high ester, comme on trouve en anglais. Généralement, c'est un terme que vous allez retrouver quand vous allez direction la Jamaïque. Oui, la Jamaïque. C'est pas forcément un terme qui est très très connu, en tout cas qui devient plus populaire ces dernières années, mais qu'il y a quelques années en arrière, on connaissait pas spécialement, nous français en tout cas. C'est un type de rhum qui a normalement beaucoup de caractère, qui est très aromatique, qu'on va pouvoir utiliser des fois dans des blends, ou même on a des qui peut être utilisé justement dans la cuisine. Hein, Negrita, on pouvait dire à l'époque qu'on avait des justement ce côté extrêmement très aromatique, mais juste pour être utilisé dans la cuisine. Après, c'est pas forcément un terme négatif, hein. Au contraire, si vous allez par exemple à la distillerie Savannah à La Réunion, ils en ont fait vraiment un cas d'école, ils utilisent ça, ils ont des high esters, donc des grands arômes qui sont assez extraordinaires. On a Moba aussi, enfin voilà, on a plein de choses en dehors de la Jamaïque, bien évidemment. Je crois que c'est exclusivement des rhums de mélasse et en fait vous êtes sur des très longues fermentations. Ce qu'on cherche dans un rhum grand arôme, c'est vraiment justement c'est l'arôme, et donc c'est justement cette concentration extrêmement forte. On est sur des choses souvent qui sont sur des titrages en plus assez élevés, qui permettent justement de pouvoir exploiter cette concentration et donner des choses explosives,
comme encore une fois le cas d'école jamaïcain, où vous avez quand même souvent des profils qui sont très chargés en aromatique, qui peuvent tout de suite rebuter des gens, même si on n'est pas forcément sur des degrés très élevés, on peut être sur un 46 degrés, mais où les gens vont avoir extrêmement de mal à rentrer dedans. Gros CD-ROM où vous allez sans doute pas vous ennuyer. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, PapuDurham, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle a été le plus claire possible. Je redis, je fais exprès de ne pas aller non plus trop dans les détails pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous voulez des vidéos extrêmement détaillées, on pourra en refaire si vous le souhaitez. Mettez en commentaire si vous avez des termes que vous voulez qu'on explique. On pourra faire une troisième vidéo, bien évidemment, ou en faire une plus longue, un live, je ne sais pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. J'espère que ça vous permet de vous éclairer encore un petit peu plus sur ce monde du rhum qu'on adore tant. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, comme d'habitude, eh ben, n'oubliez pas plus haut que le rhum.